De retour et pour Koussa que nous prenons pour nous suivre ensemble. Moi salue nous chaque qu'elle soit côté que nous y. Dans coup précédent, nous t'avons comment que nous capables copier un mot et coller l'autre côté. Et nous prenons qu'on y a comment déplacer un mot à récupérer l'autre côté. Donc pour copier un mot, mettez l'autre côté, c'est copier. C'est copier-coller, mais pour ça lui-même, c'est cut and paste qui c'est déplacer moi, couper l'un côté, aller coller l'autre côté. Couper et récupérer. Couper un mot, aller mettre l'autre côté. Eh bien, pour nous commencer, nous allons couper mot. Nous allons couper mot. Ok, nous allons couper mot. On regarde là. Moi, pour aller couper un mot. Moi gagne là par exemple spirituel. Moi sélectionner spirituel, si nous on sélectionner déjà, sélectionner spirituel et puis m'aller dans edit. Et puis cut. Ouais, ouais moi couper, est-ce que nous on voit encore? On regarde. Moi sélectionner spirituel, m'aller dans edit et puis cut. M'aller edit et puis cut. Ouais moi couper. Mais là qui côté me va le mettre? On par exemple, on tape mettre là, on clique là et puis on fait espace et puis on aller dans edit et puis on dit paste. Nous on va coller. Aller essayer sous machine pour là et on va dire comment ça dit. Maintenant, ça c'est première manière, on va montrer deuxième manière. On prend même mot ça là qui là, on sélectionne il moins fait contrôle X. Meni contrôle X qui s'est coupé. On par exemple, on tape mettre là, on fait contrôle V. Ctrl X qui s'est coupé et Ctrl V qui s'est collé. Ça c'est deuxième manière que nous capables couper un mot en côté à le coller dans l'autre côté. Nous parlons en deuxième manière. Deuxième manière là, on prend exemple, nous prend Mosa, prend Selouna, on va le couper Selouna. Eh bien, pour couper Selouna là, moi font clic droit sur lui. Et moi aller dans cut, on fait clic droit sur celui-là pour me couper et puis moi aller dans cut et m'aller devant côté pasteur Morales là, me cliquer et puis moi mettre me font qui cela là et puis me font clic droit devant pasteur Morales là et me coller celui-là là, voilà. Ouais, moi couper celui-là là et me coller là. Donc voilà que me couper coller au mot, ça c'est deuxième manière. Eh bien, moi pral fait la troisième manière, n'observer même Selouna, n'a couper Selouna. Moi sélectionner Selouna. Noué, moi qui t'a fait deux manières. M'te fait contrôle X, contrôle V, eh bien, me fait troisième manière c'est contrôle, me font clic droit sur Selouna, me fait cut et puis me dit m'pral mettre là, me font clic droit là. Et puis, il me dit paste. Ouais. Trois manières que je peux couper un mot et coller l'autre côté. Nous voyons que ce n'est pas difficile. Avec CTA, nous voyons des choses faciles. Et moi, tant aimé que chaque étudiant, lui-même, yo voyons des choses pas difficiles et au travail. Maintenant, je vais faire un petit rappel pour nous. Soit fait, enregistrer. Nous songeons à l'heure, je vais montrer nous enregistrer. Mais je vais te montrer plusieurs fois, je vais le refaire encore, une façon pour que je rassure que tout étudiant connaît comment vous enregistrer. Pour enregistrer, vous pouvez aller dans FAL, ça c'est la première manière. Je vais te montrer deux manières. Pour m'enregistrer, je vais aller dans FAL. Chaque fois que je vais avancer, je vais te montrer plus de fois. Pour m'enregistrer, je vais aller dans FAL. Et puis SAVE. Ouais, FAL et puis SAVE. Dans la boîte de dialogue, ça arrive devant. Il y a trois parties qui sont importantes là-dedans pour moi. C'est parti organise là-là. Côté, je choisis mes documents. Je dis par défaut, document pour aller côté dernier monde, tu sauvegardes là. Pas oublier, si tu ne peux pas sauvegarder les documents, tu ne peux pas joindre. Si tu ne peux pas enregistrer les documents, tu ne peux pas joindre qui ne peut pas le faire chercher. Parce que c'est ordinateur en pile. Quand je me suis sauvegardé tout à l'heure dans Documents, mais cette fois-ci, je vais sauvegarder dans Desktop. On va sauvegarder sur le desktop. Ouais. Dans l'organisateur, on clique sur desktop. Ouais, on a l'autre bagage qui paraît là. Ouais, desktop là. L'aime cliquer sur
espace ou bien location que me voulez mettre là pour me rassurer que la pas enregistré là faut moi garder là dans save as là depuis me garder moi non apparaître ça veut dire la pas enregistré là. Deuxième partie qui est important c'est file name c'est côté que moi bal non ouais me cliquer là pour me bailler document non pour me bailler document non me dit que dans un devoir de pour enregistrer sauvegarder mémoriser sous le nom de ça qui vient après de ya, c'est lui même cap non document moi dit non devoir de pour sauvegarder enregistrer mémoriser sous le nom de c'est lui même qui a non pour enregistrer document et après ça m'a juste cliqué sur bouton save là là et document à enregistrer. Comment tu fais façon ça déjà? Je vais montrer nous une autre manière. Qui l'autre manière que me ca sauvegarder? On prend clavier ça m'a montrer nous sur clavier ça, mais nous on pas besoin prendre clavier ça en réalité, montrer nous c'est pour me ca montrer nous ça n'a pas faire. Qui combinaison que me va le faire? M'a fait contrôle S et là bas même boîte de dialogue là. Contrôle S c'est sauvegarder. Voilà. Nous ouais, l'aime fait contrôle S là. Dis ben moi même boîte de dialogue là et dans même boîte de dialogue ça c'est toujours même matio qui est important pas gain l'autre partie encore c'est même partie et bien me dit là me choisir desktop et là dans file là là me bail document non en par exemple dit sauvegarder sous le nom de CTA avancé et bien m'écrit CTA avancé voilà et là me choisir dans organizer là c'est donc desktop là dans file name dans bal non c'était avancé et moi fini avec lui moi sauvegarde voilà et bien maintenant si me besoin document ça m'a fait mes documents et si me t'a besoin c'est parti ça le desktop là c'est parti ça créer le desktop ou bien bureau ou bien interface ou bien environnement de Windows on garder là pour nous est-ce qu'il paraît c'était avancé on garder là garder pour nous voilà mais c'était avancé pour m'ouvrir m'gain façon ça me ca fait double clic ouais il ouvre qui l'autre façon me ca ouvrir encore me ca faire un clic droit sur lui et puis open voilà mais comment moi sauvegarder document donc nous ouais moi qui t'a montré nous là deux manières que nous capable sauvegarder deuxième manière là c'est contrôle S qui c'est sauvegarder eh bien merci en pile au même qui t'a suivre quoi pas courir avec nous m'braler dans façon dans méthode moi trouver qui cap bon pour nous et cap plus pratique pour nous et bien merci beaucoup et invitez l'autre monde c'est une obligation moi même ban nous ça comme obligation pour inviter l'autre monde participer parce que m'veux plus monde connaît informatique là merci en pile et à la prochaine.